ich bin Nils, ich bin 9. Hallo, ich bin Anouk, ich bin 11 Jahre alt. La poste est fermée ici en France, mais les poubelles ne passent qu'une fois par mois et les bibliothèques sont fermées. Pour sortir et aller faire ses commissions ou pour aller chez le médecin, on doit être une seule personne par voiture et avec un permis pour sortir de chez soi. Et les regroupements sont interdits, les pique-niques aussi, et toutes les choses comme ça. Pour notre temps libre, moi je fais du ping-pong. Tous les jours avec mon papa, on fait du foot. Je joue au Lego et au Playmobil. J'ai mes occupations. Pour moi, pour le temps libre, pour garder un rythme pour le sport avec ma maman, on fait du yoga. Ensuite, pour le temps libre, j'ai fait un potager dans mon jardin et je m'en occupe avec mon autre frère. Et sinon, je lis, je dessine ou des choses comme ça. Et mon poisson est en train de mourir, du coup, il faut que je m'occupe. L'école, pour moi, ça se passe plutôt bien. Au début, j'étais avec une application qui s'appelle le CNED. Maintenant, je fais des devoirs improvisés et lundi, je ferai des devoirs fixes. Pour moi, ça se passe plutôt bien. Voilà. Pour ceux qui sont au collège, dans mon collège en tout cas, on a une tablette et on a une application qui s'appelle Pronote où on met tous les devoirs, tout ce qu'il faut faire, les cours qu'il faut faire, les exercices qu'il faut faire, tout. Et les professeurs mettent tout ce qu'on doit faire pour le jour même et des fois ils mettent pour le jour suivant, ce qui fait qu'on a nos devoirs et nos cours bien organisés. Quand on a un problème, on peut envoyer un message à notre professeur pour lui expliquer et il peut nous répondre. Et aussi, l'après-midi, on a beaucoup de temps libre. Wow. Si on doit voir nos amis, on n'a pas le droit puisqu'on est en confinement et on ne peut pas les voir. Mais par contre, on peut leur parler par téléphone ou des trucs comme ça. Moi, par exemple, pour parler à mes amis, j'utilise Message et je leur envoie des messages ou je leur parle au téléphone. Moi, avec mes copains, pendant les vacances, on se parle jamais. À part, j'ai un copain qui est parti au coma, du coup, je l'appelle régulièrement. Et voilà. Pendant les vacances, par exemple, on s'appelle jamais, donc... Là, c'est comme si c'était les vacances. Voilà. Je remercie les Allemands de Marbourg parce que je sais qu'il y a beaucoup d'appartements et je remercie qu'ils sont enfin, c'est petit d'être dans un appartement comme ça et je les admire en fait. Après, pour les règles, je trouve que l'Allemagne n'est pas assez stricte. Voilà. Pour ceux qui ont un jardin, ça serait bien de sortir un petit peu et de ne pas rester que sur les écrans. Vous pouvez faire un potager comme j'ai fait ou faire des jeux dehors. Si vous avez une table de ping-pong, vous pouvez faire du ping-pong dehors ou des choses comme ça. Pour ceux qui sont dans un appartement, essayez de profiter de vos jouets. Des fois, souvent, on profite pas assez de nos jouets et on n'y passe que pas beaucoup de temps avec eux. Alors ça, c'est peut-être le moment d'en profiter un petit peu, de jouer avec. Moi, je vous souhaite une très bonne santé et j'espère que vous n'avez pas le coronavirus. Pareil.